Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien et que pour l'instant tout se passe bien pour vous au niveau du confinement. Aujourd'hui, je voulais vous présenter donc la première mise à jour, grosse mise à jour qui va normalement arriver juste après toutes ces difficultés que l'on rencontre actuellement, certainement dans les prochaines semaines. J'ai donc l'honneur de vous montrer en avant-première la grosse mise à jour VoxiOne V2.0 qui est vraiment une avancée majeure. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés, pas mal de bugs ont été corrigés. Donc c'est sur Vision High Tech, abonnez-vous pour continuer à me suivre. On a bien sûr dépassé les 40 100 abonnés, c'est vraiment extraordinaire, je vous en remercie beaucoup. Votre carte SIM est verrouillée, veuillez entrer le code PIN maintenant. Voilà comment ça se passe quand le VoxiOne démarre et c'est parti donc pour cette vidéo high-tech. Voilà donc quand le téléphone a démarré. Alors, je vous ai déjà présenté le VoxiOne sur plusieurs vidéos. Si vous ne connaissez pas ce produit, je vous invite donc à aller sur ma chaîne. Vous allez sur YouTube, vous marquez VoxiOne Vision High Tech et sans problème, vous allez trouver toutes les vidéos qui ont été faites sur cet appareil. Donc le VoxiOne, en deux lignes, pour dire pour qui, pourquoi, le VoxiOne a été étudié pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. On a tout en bas ce qu'on appelle un guide doigt, trois encoches spécialement dédiées pour les non-voyants. Et ce guide doigt permet de mettre les doigts correctement où il faut. Déverrouiller carte SIM. Champ texte, code PIN vide. Donc, on a bien sûr à gauche flèche haut, à droite flèche bas. Et au centre, on a donc les lettres de l'alphabet pour faire apparaître le clavier. Mais attention, ces touches vont s'adapter. Elles sont adaptatives suivant l'application que vous êtes en train de gérer. Une fois que j'ai terminé de taper mes 4-0, ce que je vais faire, je vais poser mon doigt dans le trou du centre directement et le laisser poser pour que le clavier puisse se fermer. Clavier fermé. On vient de l'entendre, il vient de nous dire clavier fermé. Et juste à ma droite, j'ai flèche bas. Bouton déverrouillé. Et je vais faire déverrouiller avec valider avec le bouton du centre. Carte SIM déverrouillée avec succès. Loupe allumée. Et instantanément, on arrive sur l'écran désiré. Soit on peut arriver sur l'écran des applications, soit sur l'écran loupe. Ça tombe bien, on arrive sur Loupe. Et c'est ici que les mises à jour commencent. Énorme avancée sur Loupe. Il y a eu donc des améliorations, dont une sera une option. Avec la Loupe, on va pouvoir numériser en mode lot. C'est-à-dire, vous allez pouvoir numériser plusieurs pages. Et pour avoir cette option, il faudra passer par l'achat de l'option mode lot ainsi que du support pour numériser en mode lot. Renseignez-vous du côté de VoxiWeb qui vous donneront tous les renseignements nécessaires. Qu'est-ce que l'on rencontre en mode loupe? On va poser deux doigts rapidement et les lever et on va rentrer dans le menu ce qu'on appelle contextuel. Un mode lot. Deux activer éclairage. On a maintenant la possibilité d'activer ou désactiver l'éclairage de la loupe. Deux activer éclair loupe allumée. Voilà, donc on peut activer l'éclairage. Un mode lot. Deux désactiver éclairage. Loupe allumée. Ou le désactiver. Ceci fonctionnera seulement lorsque vous n'avez mis aucun filtre. Attention, c'est important. Trois paramètres. Et on peut rentrer dans les paramètres de notre loupe, ce qu'on va faire tout de suite. Un contraste. On peut régler notre contraste. De taille texte. La taille du texte lorsqu'on a numérisé. Trois espacements texte. Alors, on peut régler l'espacement du texte suivant les personnes dyslexiques. Quatre synthèses vocales. La synthèse vocale femme ou homme suivant votre désir. Cinq vitesses de lecture. Six dispositions du texte. Sept luminosité. Bas de page. Voilà, donc pas mal de petites choses super intéressantes dans ce menu contextuel. On revient sur l'écran précédent en faisant glisser un doigt de la droite vers la gauche rapidement sur l'écran.
Un mode low. On va rentrer dans ce fameux mode low. C'est parti. Champ texte, nom du document, vide. Alors, on va pouvoir donner le nom d'un document. Par exemple, ici, test livre audio. Test livre audio inséré. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Donc, je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet. On va essayer de traiter les différentes étapes au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas trop de renseignements dans une seule vidéo. Donc, surtout, abonnez-vous si vous voulez suivre tous les tutos, toutes les nouveautés high-tech sur l'accessibilité et sur tout autre produit high-tech sur le marché. Une fois qu'on a mis notre titre, on descend, flèche bas à droite. Liste, format, texte, OCR, dans un seul PDF. On peut choisir donc le format. Ici, ça sera format texte dans un seul PDF. On va ouvrir cette zone de liste déroulante avec le bouton centre. Choisir une valeur pour format. Un texte OCR dans un seul PDF. Deux textes OCR dans plusieurs fichiers TXT. Donc, on peut choisir dans un seul fichier PDF, dans plusieurs fichiers TXT. Trois images dans plusieurs fichiers JPG. On peut choisir de faire que des images. Quatre images dans un seul PDF non lisible sur VoxiOne. Nous, on va prendre le premier choix. Un texte OCR dans un seul PDF. Ce qu'on va choisir, on valide au centre. Liste, format, texte, OCR, bouton, démarrer. On arrive sur le bouton. Bouton, démarrer. Démarrer. Et là, on va pouvoir numériser autant de pages que l'on désire. Ce qu'on va faire tout de suite. Présenter la première page, puis appuyer sur le bouton du milieu pour la capturer. C'est parti, on numérise. Page 1 capturée. Présenter et capturer la page 2 ou appuyer sur le bouton de droite pour terminer. On prend une deuxième page. Page 2 capturée. Page 4 capturée. Présenter et capturer la page 5 ou appuyer sur le bouton de droite pour terminer. Voilà donc, on a fini de numériser nos pages. Tout de suite, à droite, on a un petit bouton, le dernier trou à droite dans notre guide doigt, va nous servir à valider le fichier. C'est parti. Le document a été sauvegardé dans le dossier Loop du lecteur multimédia. Appuyez sur OK pour continuer. Voilà donc, le document a été sauvegardé dans le dossier multimédia et dans le dossier Loop. On va aller vérifier tout de suite comment ça se passe dans ce dossier. Allumé. On va donc aller sur application. Application. Mode smartphone. 11h26. Samedi 4 avril. Un téléphone. On va descendre jusqu'à. Deux messages, trois contacts. Quatre applications. Application. Un aide visuelle. Deux lecteurs multimédia. On a donc le dossier lecteur multimédia. Un loop. Et on a le dossier loop. On devrait normalement trouver test livre audio. 1. Dossier mode low. On a donc notre dossier mode low. 1. Test low.pdf. 2. Test OCR.pdf. 3. J'ai vu la lune.pdf. 4. Caisse livre audio.pdf. Et voilà donc notre fichier. On va l'ouvrir, valider au centre. Caisse livre audio.pdf. Volterra. Toscane. Prisant dans lentille aluminium et de ENT dilalin, doit sa notoriété à saint mordant, une et de fixer les colos astérisque mine. D'Alain Florence filant cependant que la tolfa, par excès de fibres textiles gourmandises, peine à écouler l'ensemble de sa production, un autre gisement et bose. On peut au centre faire une pause si on le désire. S'associent à Volterra. Reprendre la lecture sans problème. 170. On peut avancer dans les pages avec flèche droite ou revenir sur le haut avec flèche gauche ou descendre avec flèche droite sans aucun problème. Voilà donc déjà cette grosse nouveauté sur le mode low où on pourra numériser tout un livre complet grâce à cette version V2. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez de cette première fonctionnalité du mode low qui est vraiment une belle avancée par rapport au VoxiOne. Tout le contenu du mode loop a été remanié pour de meilleures fonctionnalités. On continue la navigation. Cette option mode low sera donc activable avec l'achat
du support A4, ce qui fera donc de votre téléphone une vraie machine à lire. En plus, dans la fonctionnalité Loop, on avait la possibilité de traduire à la volée. Ce qu'on va faire tout de suite, mais une nouvelle option a fait son apparition, celle que vous n'avez pas actuellement dans votre version. C'est parti. On prend une photo d'un document. C'est parti. OCR en cours. Bon, cette biographie, les études sur Ian Fleming, 1908 à 1960, pause. Voilà, donc ce texte en français, si je pose deux doigts et je lève rapidement. Un sauvegardé au format texte. On peut le sauvegarder au format texte. Si je descends. De traduire vers anglais, UK. Je peux le traduire en anglais. 3 traduire vers anglais, UE. 4 traduire vers espagnol. 5 traduire vers allemand. 6 traduire vers italien. 7 traduire vers néerlandais. 8 traduire vers portugais. 9 traduire vers danois. 10 traduire vers suédois. 11 traduire vers tchèque. 12 traduire vers hébreu. 13 traduire vers arabe. 14 traduire vers russe. 15 traduire vers japonais. 16 traduire vers chinois simplifié. 17 traduire vers thaï. Bas de page. Voilà donc 10. Voilà donc 17 possibilités de traduction. Si je choisis de traduire par exemple en thaï. Ian Fleming pu thaï. Je le fais taire. J'ai donc traduit mon texte en français en thaï. Si je repose maintenant deux doigts, un sauvegardé au format texte. J'ai dans cette version V2 la possibilité de sauvegarder mon document qui a été traduit en format texte. Ce qui veut dire que pour les étudiants, ça peut être une vraiment, vraiment une grande évolution, puisque vous allez pouvoir numériser des textes en anglais en toutes les langues que vous avez entendues, les 17 langues, et pouvoir les sauvegarder pour pouvoir les retravailler par la suite. Puisque par la suite, vous les gardez en format texte, vous branchez votre téléphone sur votre PC, vous récupérez votre document et vous le retravaillez. Voilà donc pour cette première vidéo. Attention, il y en aura bien sûr d'autres, car il y a d'énormes nouveautés à présenter sur cet appareil. Donc, abonnez-vous, likez cette vidéo, comme je vous dis toujours, c'est important. Likez, c'est ce qui fait monter la chaîne au niveau de YouTube. Partagez, commentez, ça aussi c'est important. Dites-moi ce que vous pensez de cet appareil. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur celle-ci. Salut à tous.